بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين على سيد ولدي آدم صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين وآله وصحبه أجمعين شيخ فخير مرحبا بكم merci de nous rejoindre sur Canal Algérie d'être au rendez-vous de votre émission Avis religieux docteur Jouri merci d'être parmi nous t'as des notes il est là pour répondre à vos questions Comme d'habitude, nous mettons à votre disposition un numéro de téléphone. C'est le 00213-21-23-98-91. Voilà, ainsi qu'un email, avisreligieuxattaché@gmail.com. Le numéro de l'email s'affiche sur l'écran. Et nous commençons nous avons Boutoufi, c'est Madame Aïcha de Paris. Allô? Allô, oui? Oui, c'est pour vous demander, subhanallah. C'est pour vous demander, s'il vous plaît, Zakat que je la sors toute l'année. Est-ce que je peux la sortir pour l'instant avant que l'année finisse? Soyez coulé. C'est-à-dire? C'est-à-dire, pourquoi? Est-ce qu'il y a une raison pour cela? Ah, j'écoute la télé, là. Je voulais la sortir avant que l'année s'écoule. Voilà, je peux la sortir après. Je ne sais pas comment faire. Mais est-ce qu'il y a une contrainte? Est-ce qu'il y a une raison valable pour sortir avant que l'année s'écoule? Il faut éteindre la télévision. Il faut éteindre. Oui. Mais quand même, on peut répondre. Bon. Ah, d'accord. On a compris la question. D'accord, on va vous répondre, madame. Oui, là, je voulais. Chaque année, je sors Zakat. Et cette année, je voulais la sortir avant, c'est pour donner, distribuer un peu aux gens que je connais malheureux. Voilà. Ah, d'accord. Très bien. Très bien. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه شرف هذه السر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته C'est vrai, nos jurisconsultes ont traité cette question. S'il y a vraiment une nécessité, une raison valable, comme vous l'avez insinué, cher maître, une nécessité par rapport aux besoins des nécessiteux. S'il y a un vrai besoin que vous, c'est-à-dire vous connaissez chez quelqu'un et que vous voulez avancer votre zakat pour, en quelque sorte, assigner une dette peut-être très très proche de quelqu'un pour lui venir en aide dans une circonstance qui ne peut pas attendre une opération, je sais pas, une intervention chirurgicale, etc., à payer, etc. Oui, vous avez tout le droit d'avancer votre acquittement de votre zakat, mais en prenant compte que lorsque arrivera Inch'Allah, la date butoir de votre zakat, c'est-à-dire l'écoulement de l'année lunaire, il faut refaire en quelque sorte son calcul pour s'en acquitter s'il y a peut-être des sommes qui sont rentrées entre votre acquittement aujourd'hui de votre zakat avancé, bien sûr l'acquittement avancé, et cette date-là de l'écoulement de l'année lunaire. Il faut seulement refaire le calcul. Pourquoi? Parce que peut-être il y aura d'autres sommes qui seront concernées par la zakat. Voilà. Alors, vous pouvez vous en acquitter de votre zakat. Très bien. Nous avons M. Ali de Paris. Allô, c'est Ali. Allô, oui. Bonjour, salam alaikum. Bonjour, salam alaikum. Alors, j'appelle, moi, c'est pour... je travaille dans une entreprise de bâtiment et j'ai des actions avec eux. C'est-à-dire qu'ils nous permettent d'avoir des actions avec eux. Mmh. Est-ce que, d'abord, c'est, du point de vue chéréa, c'est permis ou pas permis? Et de deux, parce que quand on nous donne des actions, on nous donne aussi un abondement. C'est-à-dire pour nous aider à acquérir des actions avec eux. Et vous donne quoi? Un abondement. C'est-à-dire... Il nous aide, c'est-à-dire qu'il nous aide aussi, il nous donne un abondement. Un abondement, c'est... Je ne sais pas, qu'est-ce que... Voilà.
Qu'est-ce que ça veut dire un abondement ou... C'est-à-dire, ils sont favorisés par rapport à... nous, pour acquérir des actions. Ils sont favorisés, c'est ça c'est... Allô vous êtes toujours avec nous, monsieur Ali? Oui, je vous écoute. Qu'est-ce qui vous donne, si vous pouvez, si, s'il vous plaît, détailler, mais si vous voulez bien. Oui, d'accord. Bon, on a des, c'est-à-dire que pour que les comment dire, les ouvriers aient une part dans, dans la société. Très bien. Voilà. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que là, nous, on a notre part, et puis la société nous aide aussi avec un abondement, c'est-à-dire ce qu'on appelle un abondement. C'est-à-dire qu'ils nous rajoutent un peu d'argent aussi pour qu'on puisse acquérir des actions, pour qu'on soit actionnaire dans la société. Oui, ça ne change rien. Ils vous prêtent de l'argent. C'est-à-dire, d'une part, ils vous prêtent de l'argent. Et puis, peut-être, c'est une avance. Ils nous le donnent. Ils nous le donnent. Ils ne nous le prêtent pas. Ils nous le donnent. Voilà. Okay. Très bien. Voilà. Du moment que ce sont des actions. Voilà. Oui. Ce n'est pas un prêt qui engendre peut-être des bénéfices, des intérêts. C'est un don. Et vous achetez des actions et vous avez votre action qui peut être aussi, qui c'est peut vrai. Peut-être selon voilà, le marché. Ça, c'est permis. Donc, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci dans cela, même que vous êtes ouvrier chez eux. Hein. C'est-à-dire vous avez un salaire qui est bien défini et puis vous avez des actions par rapport, c'est-à-dire c'est que ça, vous possédez un certain pourcentage dans cette entreprise-là. Et les actions en islam se basent sur ce que le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a laissé derrière lui comme législation par rapport aux coopérations entre, c'est-à-dire les individus, que ça soit shirka, que ça soit le muzara'a, que ça soit le musaqat. Ou le mudaraba aussi, c'est-à-dire que il y a quelqu'un qui rentre avec son argent, il y a quelqu'un d'autre qui rentre avec. Ce sont des transactions qui appartiennent aux transactions licites dans la charia islamique. Alors il n'y a pas de souci à se faire du moment que cette action-là vous l'avez achetée, vous l'avez achetée. Oui. D'accord. Nous allons passer, aux questions qui nous sont parvenues par email. En attendant les appels de nos chers téléspectateurs, la première question, docteur Djouali. Bonjour. Je suis musulmane et j'ai 39 ans. Je suis croyante et je connais les piliers de l'islam, mais j'ai arrêté de prier depuis des années maintenant. Comment faire pour rattraper, en sachant que cela fait beaucoup de prières, et que moi-même, je ne sais plus depuis exactement combien de temps je ne prie plus de 4 années et demie, c'est-à-dire. Mmh. Merci pour vos réponses, et c'est une très bonne émission que vous faites. Allah est seul, mec. Bon, par rapport à cela, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide tous à s'en débarrasser, à accomplir nos devoirs et à sortir de notre égarement. Et chacun a un égarement quelque part, hein, voilà. Pour ces prières-là, il vous est facile, inchallah, de les rembourser. Faites seulement une intention de les rembourser. Et la meilleure manière, c'est celle qui va vous faciliter la tâche. Peut-être vous pouvez prendre cette manière-là, ce moyen-là. C'est-à-dire de rembourser pour chaque prière présente une prière de ces 4 années et demie. Au bout de 4 ans et demie, inchallah, vous aurez déjà remboursé toutes ces années-là. Et puis c'est l'intention qui compte, non pas l'action. C'est les intentions qui guident les actions. Voilà. Innam al-a'malu binniyat. Les actes ne valent que par l'intention. Et nous avons bout du fil Madame Nassera de Strasbourg. Strasbourg. Voilà. Oui, Strasbourg. Bonjour. Bonjour. En fait, je vous appelle pour un renseignement. En fait, j'ai mon frère qui s'est marié avec une fille de Média. Ça fait 2 ans, en fait, qu'il a couru après les papiers. Donc, ils ont fait la fatra. Ensuite, ils ont fait le mariage civil à Média. Et ensuite, il a mis encore 1 an pour obtenir les papiers, transcription du mariage en France.
Et en fait, au mois d'octobre, en fait, on a décidé, on a fait la fête, en fait, il a obtenu tous les papiers, le visa, machin. Donc, mon frère, il était sincère, hein, dans ce mariage. Et en fait, au mois d'octobre, on a fait le mariage. Tous les frères et sœurs, en fait, on vit tous en France. On est descendus, sauf mes parents qui vivent en Algérie. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le 27 octobre, il y a eu le mariage. Hein, et après le mariage, elle a complètement changé de comportement. Mmh. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en 3 semaines, donc une semaine, on était chez mes parents. Et ensuite, on est tous montés en France. Hein. Mon frère vit à Paris et nous, on vit à Strasbourg. Et ce qui se passe, c'est que deux semaines après son arrivée en France, hein, elle est partie en Algérie, elle a quitté le domicile conjugal. Et en fait, elle s'est mariée sans aucune intention de mariage. Hein. Et en fait, on ne comprend pas ce mariage. Hein. Et ce qui se passe, c'est qu'elle a tourné le truc en comme si mon frère lui avait fait du mal. Alors, tout ça, c'est faux. Donc, nous, ce qu'on cherche à comprendre... La question, madame, votre question, souci où ? Ma question, c'est quels sont ses droits, en fait ? Quels sont ses droits à mon frère ? Parce que là, il a déclenché la procédure de divorce. Cette fille, on ne comprend pas pourquoi elle s'est mariée avec lui, alors que lui, c'était dans une intention très bonne, hein, de un mariage à vie, quoi. Il ne perd pas 2 années à courir pour des papiers, la faire venir, quoi. Quels sont ses droits, lui, en Algérie ? Parce que le mariage a été fait en Algérie. Mmh. C'est droit marché. C'est clair la question. Oui, c'est clair, Inch'Allah. Bon, ils ne sont pas ni les premiers ni les derniers à se marier, à se divorcer après un certain temps. Et le divorce est licite dans la charia pour n'importe quelle raison. Peut-être qu'elle a ses raisons aussi, cette femme-là, pour demander le divorce et pour quitter le domicile conjugal. On n'est pas à sa place. Hein. Peut-être qu'elle en a ses raisons. Elle s'est trouvée dans l'impasse. Voilà. Et elle a tout le droit de demander divorce pour un tort quelconque qu'elle va divulguer devant le juge. Voilà. Et aussi, pour votre frère aussi, il a le droit de divorcer cette femme-là. Et puis, quels sont les droits ? C'est au juge d'en décider. Dans la charia, généralement, quand le mari consomme le mariage, consomme l'acte de mariage avec la femme, la femme aura, c'est-à-dire le droit total à préserver ce qu'on appelle la dot, le mar. C'est-à-dire ce qui lui a donné, elle lui rendra, voilà, sdaq, elle lui rendra rien de cette dot-là. Si le mariage n'a pas été consommé, là, il est consommé normalement. Si le mariage n'a pas été consommé, il y a que la moitié de cette dot-là qui lui revient dot. Comme de droit. Mis à part la dot, il y a peut-être le mata', c'est-à-dire il va lui donner peut-être une certaine somme d'argent. C'est au juge d'en décider aussi quelle est cette somme-là. D'estimer. Voilà, et d'estimer quelle est sa valeur. فَمَتِّعُهُنَّ وَسَرِّحُهُنَّ سَرَحًا جَمِيلًا. C'est-à-dire, il va lui donner, en quelque sorte, des dommages, on va dire. Un petit dédommage. Et si elle a des... Bon, pendant la période de viduité, elle est toujours à son nom, elle a le droit à la nafaqa aussi. Pendant cette période-là. Et s'ils en ont des enfants après, elle aura le droit à l'havana, c'est-à-dire ujrat al-havana. Si elle préserve ses enfants avec, c'est-à-dire ses enfants faits avec ce mari-là, la femme a le droit de recevoir une petite somme d'argent par rapport à, c'est-à-dire au fait d'y lever et d'avoir ses enfants à sa garde. Voilà. C'est, en général, c'est ça, c'est les juge. Droits de la femme divorcée. Hein. Mais d'autres problèmes par rapport au logement, par rapport... Tout se passe dans... C'est par rapport à... C'est par rapport à la loi.
À la loi. C'est par rapport à la loi. Il y a d'autres détails qui rentrent. Il y a d'autres détails. Quand on parle de la femme divorcée qui préserve le domicile, le foyer conjugal, c'est par rapport aux enfants. C'est pas par rapport à la femme divorcée, hein, c'est par rapport aux enfants, parce que les enfants de cet époux-là, ils en ont droit à un toit qui va les abriter. Mmh. Et la femme, parce qu'elle a la garde des enfants, elle va garder le domicile conjugal ou un autre foyer que le père doit payer comme loyer. Voilà. Très bien. Il doit payer le loyer. C'est par rapport à ses enfants. D'accord, donc nous avons au bout du fil M. Milou de Havre. Allô? Allô, oui, marhaba. Marhaba, oui. Je vous entends très mal. On vous écoute très bien, nous. Oui. Très bien. Oui, bonjour, je vous entends très mal. Mais on vous écoute très bien, M. Miloud. D'accord. Bon, alors, je voulais vous poser une question. Bonjour, d'abord. Bonjour. Je vous ai posé une question parce que j'ai fait... D'accord. J'ai fait enterrer une personne de ma famille. J'ai demandé un talab pour qu'il fasse la prière sur la tombe. Oui. Et ça a été fait. La tombe a été faite au milieu des chrétiens. Mais c'est-à-dire que il y avait cimetière chrétien. Dans ce milieu, oui, il y a des chrétiens, des musulmans. C'est un carré qui est destiné aux pauvres. Que c'est la mairie qui a payé l'enterrement. Donc on n'avait pas le choix, c'est commune. Donc j'étais obligé de faire enterrer avec des musulmans de toute religion, hein, française et tout ça. Mais le religieux a refusé de faire la prière sur la tombe. Sur la tombe. Pourquoi ne pas? Parce qu'il m'a dit que lorsqu'on fait une prière, alors rahmo ala al-kuffar, ala al-kuffar aussi. Non. Il n'a pas voulu. Pas forcément. Et pourtant on a un carré musulman qui n'est pas très loin de ce lieu-là, il est à environ 100 mètres. Mais pourquoi vous ne l'avez pas enterré dans le carré des musulmans? Allô? Pourquoi vous ne l'avez pas enterré dans le carré des musulmans, par exemple? Parce que... Oui, allô? Oui, on vous écoute. C'est la commune qui a payé cet enterrement. Ah. Et la commune, elle a un carré pour tous ces... ce que vous dites nécessite les gens qui n'ont pas de moyens, parce qu'ici, il faut compter 3 000 euros. Vous n'avez plus le choix. Pour enterrer, pour faire un enterrement. Donc, c'est la mairie qui a payé tout. Mais la mairie, elle a un carré pour ces gens-là. Une question, M. Miloud, s'il vous plaît. Pourquoi vous n'avez pas fait la prière avant de l'enterrer, par exemple? Comment? Pourquoi vous n'avez pas fait la prière? Normalement, elle se fait. Normalement, dans les règles, la prière se fait avant l'enterrement. On a fait la prière au funérarium. Oui, funérarium. Ah, voilà, très bien, très bien. Ben, qui qu'est-ce de doua, la prière, c'est-à-dire pour le prix pour louer. Mais je voulais le faire sur la tombe aussi. Mais il a refusé d'y aller parce qu'il y a des chrétiens tout autour. D'accord, monsieur Miloud, on va vous répondre, on a bien compris. Allô? Oui, on a bien compris, monsieur Miloud, on va vous répondre. Ouais. Ok. Très bien. Alors, de ce qu'on a compris, la prière mortuaire a été faite. Alhamdoulilah, ce défunt-là, Rabbi Rahmo, a eu tous ses droits par rapport à la communauté musulmane. C'est-à-dire, quelqu'un qui meurt, un musulman, et la communauté, il doit à la communauté de le laver, de lui faire un linceul, c'est-à-dire de le couvrir, voilà, et de faire la prière mortuaire pour lui et de l'enterrer, voilà. Il a eu tous ses droits, mais par rapport à la prière après, on peut faire la prière de là où on est, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne se trouve pas qu'au cimetière. Docteur, voilà. Une parenthèse, docteur Joy, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Là, pour la logique de ce talib. C'est une logique absurde. Hein. Il est de dire que si je fais la prière sur le temple, ça va elle toucher va, tout. Non, c'est absurde. C'est absurde. Ça n'a aucun sens. Non. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enterré les nouveaux musulmans
à Médine dans un cimetière qui appartenait à tout le monde, Al-Baqi'a. Voilà. Voilà. Bon, il faisait en sorte que l'enterrement soit conforme au rite musulman, voilà, d'accord. Mais quand il allait rendre visite à ces morts-là dans le cimetière Al-Baqi'a, qu'est-ce qu'il disait, le prophète alayhi salam? Il disait Assalamu alaykum ahla al-qubouri min al-muslimin. Min al-muslimin. Parmi tout le monde, il voilà, on va dire, il faisait sa prière pour les musulmans d'entre eux. Voilà. Assalamu alaykum ahla al-qubur min al-muslimin. Ça pourrait se faire, bien sûr. Ça va toucher, donc non, très bien. Pas, voilà, très ça bien. Colle pas. Non, mais quand même, ça ne va pas changer aussi au devoir ou là au droit de ce défunt-là. Ça ne rentre pas dans ses droits. Voilà. On va sur la tombe. نقرأوا الفاتحة ندعو له سوفي لاجمه ان شاء الله ouais. Et vous n'avez pas besoin aussi d'un talib qui va faire cela. Oui. Vous pouvez le faire vous. Ce n'est pas une spécialité. Vous-même vous pouvez le faire. Très bien. Ouais. Une autre question parmi les questions qui nous sont parvenues par email, docteur Joël, bonjour. Je voudrais vous poser une question concernant le dessin. Oui. Ma fille, ma nièce aime dessiner. On m'a dit que c'est interdit car le jour de notre mort ou de la résurrection, Allah nous demandera de donner vie à ses desseins. Et bien sûr, on ne pourra pas. Moi, je n'ai jamais entendu cela. C'est pour cela que je sollicite votre avis pour savoir s'il faut les laisser ou l'interdire, et aussi pour la musique. Peut-on les laisser écouter ou non? Merci. Vous savez, il y a un type de pensée. Ça, c'est des faux problèmes. Ce sont des faux problèmes. Qui mènent à des faux débats. Voilà. Il y a une certaine pensée de rigueur qui efface en quelque sorte les 14 siècles d'illumination civilisationnelle de notre civilisation islamique. Il y a à peu près, on va dire, un siècle ou un demi-siècle où cette pensée-là commence à se propager et à interdire tout ce qui a relation avec la beauté, avec Jamalia, voilà, tout ce qui est beau, esthétiquement ou moralement, on va dire. Le dessin ou la musique, etc., existait au temps du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, et le prophète alayhi wa sallam ne les a jamais interdits. Il a interdit ce qui a rapport avec la doctrine musulmane, le dogme, on va dire, l'aqida, parce que le prophète alayhi salatu wasalam craignait que les musulmans retombent dans l'idolation des autres choses à part Dieu subhanahu wa ta'ala. Et il leur a interdit tout ce qui a relation avec toutes ces idoles-là qui se fabriquaient, qui se vendaient dans les marchés. Pour des fins de... Voilà, pour une fin d'adoration, on va dire. C'est cela que le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a interdit. Pour, en quelque sorte, barrer la route au retour de la multi on va dire du polythéisme, barakallahu fik, le wathaniya, le polythéisme, alors que l'idolâtrie, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait même dans sa maison un tissu où a été dessiné un cheval avec des ailes que Aïcha mettait sur sa porte pour couvrir voilà l'issue de la porte. Et un jour il lui a dit si tu peux arracher ce tissu là et en faire des sommiers avec, c'est-à-dire qui ne pas le déchirer mais lui changer seulement de place, parce que il lui venait en face dans sa prière, et de faire avec des sommiers, c'est-à-dire en sommier, ça existait aussi, ce dessin-là était resté, et le prophète alayhi salam ne l'a jamais sorti de sa maison. C'est vrai qu'il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi salam qui parle qu'au jour de la résurrection, au jour du jugement dernier, ceux qui ont fabriqué ces idoles-là, à qui ils ont donné une âme
qu'il pouvait guérir, qu'il pouvait, je sais pas, exaucer les prières de ceux qui les adoraient. Allah subhanahu wa ta'ala, oui, bien sûr, il va dire à celui qui a fabriqué, qui a propagé ce mensonge-là, de donner une âme à cette idole-là. Et d'ailleurs, à Sura al-Musawwirun, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insinué, ce n'est pas celui qui dessine maintenant, c'est celui qui façonne une chose, il lui donne une âme, il lui donne une volonté, il lui donne une action à faire, en quelque sorte, à changer le destin des hommes. C'est celui-là. Et puis, même quand il s'agit du dessin, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَى » Est-ce qu'on a été créé comme cliché, comme photo au sein des ventres de nos mères? Non, on a été façonné comme on l'est aujourd'hui. Même s'il s'agirait des statuettes, etc., allant même peut-être à dire que quelques savants de l'islam ont interdit ça, mais il y en a d'autres aussi qui ont permis, s'il n'y a pas cette intention-là, c'est-à-dire de les adorer, de leur donner une valeur plus que la valeur de la matière, plus que la beauté. Parce que au temps de Sayyidina Sulayman, il y avait des djinns qui façonnaient, qui fabriquaient des statuettes pour Sayyidina Sulayman. Yasna'ouna lahu tamathil. Et si ça a un lien avec le dogme, l'aqida, c'est le même chez tous les prophètes et les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ne change jamais depuis Adam jusqu'à la fin des temps. C'est inchangeable. C'est inchangeable. Oui. Voilà. Si ça a une relation avec, voilà, c'est-à-dire façonner une statuette, si elle a une relation avec le dogme, ça aura été interdit même au temps de Sayyidina Sulayman alayhi salam. Du moment que le Coran a cité que les djinns fabriquaient des statuettes pour Sayyidina Sulayman, ça restera licite jusqu'à la fin des temps. Pour la musique, Dr Djouri, je vais résumer si vous permettez bien. Il n'y a pas de texte qui interdise explicitement la musique. Très bien. Le jugement, c'est par rapport aux paroles. Comme la chanson. Il n'y a pas Hadja qui a un problème avec les instruments de musique. D'ailleurs, nos érudits savants. Très bien. Dans le 5e siècle, je vais prendre la parole, l'appel. Il dit Man lam yuharrikhu al-rabi'u wa azharuhu, wa al-taghridu wa atyaruhu, wa al-udu wa awtaruhu, fa huwa mu'tallu al-mizaj. مريض لا يرجى له علاج. Voilà. هذه علاقة بالذوقيات وإلى آخره. Donc on a beaucoup parlé. Bien, on rajoutait. Un appel pour vous. Voilà, Monsieur Salem de France. Monsieur Salem, اسمح لنا. On va laisser attendre. مرحبا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حبيت عندي question à Cheikh. Oui. Je voudrais prendre un crédit pour acheter un immobilier. Mm-hmm. Immobilier, c'est-à-dire, c'est quoi immobilier? Il faut des logements, un appartement, un logement. Allô? Oui, pour un logement. Oui, un immeuble pour le mettre en location. Ah. Pour le mettre en location, j'ai contacté l'imam de la mosquée de Paris. Oui. Et il m'a dit qu'il faut que je voie avec la banque islamique. Alors j'ai contacté la banque islamique. Mm-hmm. Et ils m'ont dit que voilà, et que c'est à moi, voilà, je vais chercher le bien. Et c'est eux qui vont l'acheter et vont me le revendre oui, plus cher. Oui, exactement. Ça veut dire ce que je comprends, voilà. C'est la même chose que la banque en plus. Non, c'est la même par la forme, mais la formule ce n'est plus la même. C'est-à-dire la marge sera la marge sur la facilité de paiement. Voilà. Ce n'est pas peut-être que ce sera la même marge, mais ce n'est pas la marge sur le prêt. Et d'ailleurs, Allah Azza wa Jalla
لهذا كاين عقد دون القران احل الله البيع وحرم الربا سا سي تان اشاي فونت اي لوتر سي تان امبر امبر فوالا سو ني بلو لا ميم بروسيدور اون فاشتي لوجمون ميم سي فوز الي بيي بوتيتر اون ريزولت فوز افي فوز الي بيي لا ميم سوم مي لا ديمارش سو ني بلو لا ميم مي تا افيك نو توجور سي سالم اه اي دي بارتي فوالا دونك يعني في البروسيدور عقد المرابحه للامير بشراء صديق جو في مادريسي لها لا بانك ils vont l'acheter voilà il est في la possession de la banque بعد il va revendre ce bien avec la marge البيع بالتقسيط بالتقسيط لا فونت بار فاسيليتي اكزيستي دوبوي لي بروميير تون دو لاسلام سي با دو لوزور لا مارش سور لا فاسيليتي دو بايمون سي ني با دو لوزور سا رونتر دون لا شاي لا فونت البيع والشراء اي سي بيرمي alors que prendre un emprunt pour acheter et puis le rendre avec intérêt ça ce n'est plus dans la procédure de l'achat et de la vente. Allah Azza wa Jalla nous a dit wa ahallallahu al-bay' wa harrama ar-riba. قالوا انما البيع مثل الربا. Non, ce n'est plus la même procédure. Non. Et nous allons docteur Johré vers une toute petite transition mesdames et messieurs, restez avec nous. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المغيث الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرحوم مالك الملك ذو الجلال والإكرام المبسط الجامع الغني المغني المانع الهادي البديع الباقي
La ilaha illallah, Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Avec de nouveau, docteur Jouri, apparemment, ouais. Il a un petit commentaire, on va dire. Concernant donc, la musique. Je vais rajouter, concernant la musique, qu'on en finisse avec ce sujet-là, parce que pour ceux qui interdisent tous les instruments musicaux, on peut leur poser une simple question. Oui. Douf. C'est un instrument musical ou pas? Voilà, voici ma question, qu'ils répondent. Alors, si le douf, c'est-à-dire le bendir, est considéré comme un instrument musical, tous les instruments musicaux alors seront permis parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de douf. Il l'a pris comme exemple. Les savants ont dit la ibara en arabe, c'est par rapport à le message, le sujet, qu'est-ce qu'il traite. Pour le dessin aussi, c'est la même chose. C'est le contenu qui compte. Parce que, bon. Quand on dessine quelque chose qui sort de l'ordinaire, de accepté par la morale islamique, là aussi, ça sera interdit. Mais lorsqu'on dessine quelque chose qui n'enfonce pas le, c'est par rapport à notre système la morale, de valeur, le notre système échelle de valeur, alors il sera toujours permis. Monsieur Abdelrahman de Monaco, allô. Monsieur Abdelrahman. Allô, salam alaikum. Salam wa rahmatullah. راكم لحشوية لاباس. الحمد لله يبارك فيك. نورك. والله عندي واحد كيستيون صغيرة برك هكذايا راهي شوية مقلقتني. وي. إلا كتب لي ربي إن شاء الله أنا رايح ندير عمرة. الله يتقبلها إن شاء الله ويوفقك إن شاء الله. آمين يا ربي. وشنو عندي واحد الشي عباد دخلت معاهم من كونفلي مانيش نهضر معاهم. Mmh. Quels que soient des amis ou là de la famille. Apparemment, ils sont nombreux. Anam? Apparemment, ils sont nombreux. Il y en a comme la famille ou les copains. Des amis. Non, les copains, des wahd ou la zouj. À la kouli hal. Où je suis dit, 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 أنا ولا غير نسامح له. سي ليسونسيال. مي ما نقدرش ندير لا ديمارش باش نروح نهضر معاه. هذه وحدة. سادير لو سوسي سي باغ لو سوسي سي عبد الرحمن سي باغابوغ العمرة. خايف تو فا دير عمرة. سي با اكسبتي. اكزوسي باغ. باغابوغ سيت غولاسيون. هذه هي. هذه هي اكزاكتومون وي. داكور. جاوبوك ان شاء الله ما في ريبوندر سي عبد الرحمن. ربي يتقبل ان شاء الله العمرة ودعي لنا. Bon, s'il s'agit bien sûr d'une rupture définitive où vous ne parlez plus à ce proche-là ou là, à cet ami-là, bon, il se peut peut-être, il se pourrait que cet acte-là
fera barrage à vos actes pendant l'Umra. Parce qu'il y a un hadith du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam qui dit turfa'u al-a'mal wa tu'radu 'ala Allah 'azza wa jalla kulla yawm ithnayn wa khamis fayaghfiru Allah 'azza wa jalla li kulli 'abdin lam yushrik billahi shay'an illa li akhawayn mutasarimayn yuqalu lahumā aw yuqalu anzira hadhayn hatta yastaliha. C'est un hadith au sein de Bukhari, au sein de Sahih l'Imam Muslim. C'est-à-dire que même pendant les jours de la semaine, chaque lundi et chaque jeudi, il y a l'ascension de nos actes auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala va donner son pardon à tout musulman qui ne commet pas d'adoration d'autrui qu'Allah subhanahu wa ta'ala, d'acte d'association. Sauf à deux musulmans qui ont une rupture entre eux et qui n'ont pas agi pour régler en quelque sorte les choses, il dira laissez-les, je ne vais pas leur donner mon pardon jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. Alors c'est pour cela qu'on va vous donner en quelque sorte ce conseil-là, d'essayer d'agir pour vous réconcilier, non pas pour remettre les choses à l'ordre, mais de garder une certaine relation, un minimum on va dire de relation avec ces gens-là, pour que ça nuise pas, voilà, ça nuit pas à votre cas, Umrah. Ça ne vous empêche pas d'aller faire. Voilà, Umrah. ça ne vous empêche pas. Parce que soit. Voilà. Ça restera à Allah aussi d'en juger, parce que peut-être que vous êtes lésé aussi dans vos droits par rapport à cette relation-là. Voilà, voilà. Peut-être qu'ils sont fautifs à un certain degré, qui ne pourraient plus, c'est-à-dire laisser ce minimum de relation avec eux. C'est à vous d'en juger. Est-ce que vous pouvez surpasser ce tort-là qu'ils vous ont produit ou là? C'est à vous d'en juger. Mais en général, essayez d'agir pour que votre Umrah, inshallah, soit exaucé et accepté. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Oula, qu'est-ce que vous dites, cher maître? Oui, c'est ça. Voilà. Mais l'essentiel, ça ne l'empêche pas d'aller faire l'Umrah. Voilà. Ça n'annule pas. Peut-être. Non, ça n'annule pas l'Umrah. Parce que dans le hadith, anzira hadhayni hatta yastaliha, ça veut dire que le travail ou l'acte est en instance. En attente, en instance. Ibqa mu'allaq. Jusqu'à la réconciliation. Mais il ne sera pas annulé. Jamais. Voilà. Le lavage du siège lors des ablutions est-il obligatoire? Le siège, je crois. C'est le... C'est comme aux toilettes, on va dire. Toilettes, pour chaque ablution ou non? Bah, je ne sais pas, c'est-à-dire... Selon les circonstances. Selon les circonstances. Ça dépend son état. Si voilà. Vous voyez, son état, peut-être, il y a une tâche d'impureté, etc. Essayez d'abord de laver le siège pour prendre vos besoins, etc. Ça rentre dans nos jurisconsultes ont dit que parmi les conditions que la prière soit acceptée, il y a taharat al badan ou al makan ou al thawb min al najasat. Si vous voyez que ça peut vous tacher ou là, etc., c'est à vous d'en juger. Je crois que les intérêts bancaires, si on les consomme pas et on les donne aux nécessiteux chaque année, était possible ou interdit? C'est-à-dire, bien sûr que c'est ce qu'il faut faire. Il faut s'en débarrasser, il faut les donner, il faut pas les consommer soi-même. Et puis avoir son argent dans une banque, c'est une nécessité aujourd'hui. On peut garder quelques millions, on va dire peut-être quelques centaines de milliers de centimes, etc., chez soi, pour son besoin, mais on peut pas garder des sommes colossales chez soi. On a cette nécessité-là de garder notre argent dans des banques. C'est plus sûr, on va dire. Ouais. Et que ça soit bloqué pour des intérêts, que ça soit pas bloqué, c'est un choix aussi qu'on peut prendre aussi. Vous pouvez garder votre argent sans avoir le bénéfice aussi. Si vous avez possibilité. C'est des options, voilà. Si vous pouvez garder cet argent-là pour le préserver, voilà,
dans une banque sans intérêt, faites-le. Mais si vous êtes obligé, s'il y a eu des intérêts, il faut toujours les sortir, il faut s'en acquitter. Salam alaikum, je vous fais part d'une question qui me tracasse. J'ai ma soeur qui ne parle pas, ça fait 10 ans, à ma mère. Mm-hmm. Ma soeur me dit, si ma mère décède, tu ne me dis pas. Et ma mère me dit qu'il ne faut pas que ta soeur me voie morte. Je suis une guerre, ça. Et moi, je n'ai rien dit, ni à ma mère, ni à ma soeur. Ouais. Ma question, ma mère dit maintenant de dire à ma soeur d'aller au consulat et faire un courrier pour refuser tout héritage de sa part. J'aimerais savoir que dois-je faire ou garder mon silence. C'est délicieux. Bon, pour le premier volet de la question, vous avez bien agi. Et même si vous agissez plus que ça, Inch'Allah, ça sera mieux. C'est-à-dire d'attendrir, on va dire, ce conflit-là, cette tension-là entre votre mère et votre sœur. Et d'ailleurs, le prophète, alayhi salam, a dit dans un propos, « Lam yakdhib man dakhala bayna thnayn li yusliha baynahuma laysa kadhaban man yadkhulu bayna thnayn li yusliha baynahuma yaqulu khayran aw yunmi khayran aw yunmi khayran », c'est-à-dire pour réconcilier deux personnes, on peut se permettre de changer les vérités, on va dire, de façonner les choses d'une manière à aboutir à une réconciliation, et on n'est pas considéré comme étant menteur. Très bien. Voilà. Alors vous avez bien agi. Pour le deuxième volet de votre question, c'est délicat. Il ne faut pas agir dans ce sens-là, parce que c'est un tarwa réservé à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça s'appelle l'idrar. Voilà. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala, quelqu'un, un héritier, son héritage, son droit. De priver. Voilà. C'est parmi les grands péchés dans l'islam de priver quelqu'un de son droit à l'héritage. Sauf s'il y a un jugement de la part d'une instance, c'est-à-dire qui en a droit. Parce que dans l'héritage, si on veut priver quelqu'un de son héritage, on aura été demandé de déposer en quelque sorte les alibis, on va dire, les excuses valables pour en priver quelqu'un. Et c'est au juge d'en décider dans cela, entre parenthèses, comme... l'ont fait déjà nos jurisconsultes pour quelqu'un qui délaisse sa religion, qui change de religion. Mais c'est au juge, c'est un autre débat. Mais c'est au juge d'en décider, non pas aux héritiers eux-mêmes ou là celui qui veut. Le grand principe, la règle, on n'a pas le droit de priver un héritier de son droit. Voilà. Ça, c'est le principe doctrinal. Merci pour vos éclairages. On s'est précipité à la fin de l'émission. Vos réponses, mesdames, messieurs, merci de nous avoir prêté votre attention. D'ici la semaine prochaine, donc on fait l'ayat illahi wa hifdeh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam.